Bonjour à tous, c'est Alexandre The Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour un gameplay sur Black Ops 3 sur la map Combine en domination à la VMP où je fais un gros carnage. Vous allez voir ça. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est après un mois de jeu, mon avis. Le jeu est très bon, malgré quelques petits bugs encore à voir de la part d'Activision et Treyarch. Enfin, de Treyarch, parce que Activision, c'est l'éditeur de la part de Treyarch, car les spawns à revoir. Parfois, vous pouvez spawn, il y a quelqu'un dans votre dos, alors que vous venez de spawn. Ça, voilà. Deuxième chose, mais ça, on en a l'habitude, les campeurs. Hein. Alors, je tiens à préciser que ce gameplay est sur Xbox One, parce que sur PS4, moi, quand je joue sur PS4, je suis vraiment une daube. Pourquoi? Bah, tout simplement, ça fait 2 ans que je prends les Call of Duty sur Xbox One, donc depuis le Ghost. Pourquoi? Parce que avant, l'exclu était sur Xbox One. Maintenant qu'elle est sur PS4, bah, je me suis dit je vais le prendre sur PS4. Parce que pour vous présenter les DLC en avance, tout ça, ça y a pas de souci, je vous le ferai. Je vous le ferai. Mais quand on a l'habitude à une manette, depuis 2 ans qu'on joue, on a un peu plus de mal sur l'autre. Hein, et là, j'ai fait un gros carnage à la VMP. Alors, mes streaks étaient le drone, le Hellstorm et le rapace. Hein. Donc, voilà. Deuxième chose, les campeurs, mais ça on a l'habitude sur un Call of Duty, comme je disais. On revient un peu à ce que je disais au départ de la vidéo. Troisième chose, et là j'ai envie de m'adresser aux jeunes Kikou, pardon. Vous pouvez avoir la PS4, Call of Duty et tout, mais... Et là, je m'adresse aux parents de ces jeunes. Ne leur achetez pas le PS Plus. Pourquoi? Parce que les jeunes sont réputés pour avoir un type de jeu de campus. Et ça énerve la communauté. Déjà qu'on a des campeurs comme ça. Mais j'en ai pas trop trouvé sur Xbox One. À part en dessous, sur la main combine, vous verrez un moment. Mais ça va encore. N'achetez pas le PS Plus à vos enfants. Pitié, laissez-nous jouer entre adultes. Enfin, quand je dis adulte, c'est 15, 16 ans, 14 ans. Mais pas 12, 11, 10 et 9 ans, quoi. N'achetez pas. Vous pouvez acheter Call of Duty, ça, vous faites ce que vous voulez. En revanche, n'achetez pas l'online, parce que ils vont, les jeunes d'aujourd'hui vont nous saouler. Donc je dis ça parce que c'est l'approche de Noël et j'ai pas envie que le jeu devienne injouable. Déjà qu'il est injouable au niveau des serveurs et des décalages de co. Voilà quoi. À noter que ce gameplay vient du mode studio, d'une partie que j'ai réalisée hier, donc dimanche. Pourquoi je voulais faire mode studio? Bah tout simplement pour me concentrer sur ce que j'ai à vous dire. Voilà, j'espère avoir été français. Il est tôt où je fais la vidéo pour vous la sortir
au plus vite. Et donc voilà, vous pouvez avoir le jeu, ça je m'en fous. En l'occurrence, mais n'achetez pas le online à vos enfants, putain. Si on peut avoir un jeu correct, même s'il y a encore quelques petits bugs, mais si on peut avoir un jeu qui nous donne l'envie d'y jouer, laissez-le nous comme il est, pardon. Il est déjà pas terrible comme ça pour l'instant, mais le peu qu'il est bien, laissez-le comme ça. N'aggravez pas en achetant un Call of Duty et un online à vos enfants, parce que c'est la communauté d'aujourd'hui qui salit le multi de Call of. Ça campe. Moi, je comprends pas les gens qui achètent un jeu 70 boules et qui bouge pas. Il reste dans un coin, viseur fixe. Hein? Et parfois, ils ont l'avance sur vous. Il reste dans un coin, viseur fixe. Et ils bougent pas. Ils découvrent pas. Leur manière de camper, c'est... Leur manière de jouer, c'est de camper en restant dans un coin comme ça. Mais... Dites-moi à quoi vous prenez du plaisir en faisant ça. Ok, ça fait des kills faciles, mais si tu sais pas jouer autrement que ça, arrête de jouer à Call of, tout simplement. Oui, je m'adresse à toi, la jeune campeur qui nous fait rager sur le multi. Regardez, est-ce que moi je campe à un moment de la game? Est-ce que là, je campe, etc. Enfin, c'est quand même assez lourd. Et voilà, quoi. Bon. Sur ce, j'espère que le gameplay va vous plaire. Comme vous le voyez, je fais un bon petit carnage. Et surtout... Dites-moi dans les commentaires ce que les campeurs trouvent plaisir à jouer. Enfin, moi, je sais pas quel plaisir ils ont, mais en tout cas, si ça leur fait plaisir, tant mieux. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun joue comme il veut, mais c'est vrai que ça va pas aller en s'améliorant, quoi. Là, il y a un Call of Duty qui est bien équilibré, hein. Sauf au niveau des décalages de co pour certains, hein. Andy, tu verras si tu vois la vidéo de quoi je parle. Des décalages de co, en fait, ceux qui ont des co moyennes comme la mienne touchent très bien. Or, ceux qui ont des grosses co, et on l'a vu pendant le live de Monsieur le V12 samedi, il y a eu des décalages de co quand même, hein, j'ai pas envie de dire. Mais faut dire que ils se partagent la co aussi, donc c'est pas facile. Mais voilà, autrement dit, les co moyennes s'en vont avantagées par rapport aux plus grosses co. Si c'était comme la Modern Warfare 2 à l'époque, ok, pas de soucis, c'est bon. Voilà quoi, mais là, voilà. C'est un limite injouable, etc. Bon, bah sur ce, c'était Alexandre The Gamer. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prochainement, cette fois, pour du zombie, je pense. Je verrai ça. Pour du zombie pour dans le week-end. Hein, histoire de vous détendre. Pour lundi prochain. Mais vous aurez encore d'autres gameplays dans la semaine. Et vous inquiétez pas pour les autres séries. Je les abandonne pas. Sur ce, la fin du gameplay, je vais la mettre en musique. À la prochaine, les gars. Ciao. Problem.
brouillage allié à la porte. Elle est sur ma vie.